Bienvenue dans la plus belle cathédrale de France et, dit-on, la plus belle du monde. Elle a été construite au début du XIe siècle. Elle était romane à l'époque et a été transformée au cours des siècles en cathédrale gothique. Une merveille du gothique puisque il y a un équilibre et une beauté intérieure des voûtes et extérieure, la beauté des portails, mais surtout il y a une merveille à Chartres, ce sont ses vitraux. Il y a plus de 2600 m² de vitraux du 12e et 13e siècle qui constituent un trésor mondial. La beauté des vitraux de Chartres est constituée à la fois de la qualité des verres colorés, inestimable, le bleu de Chartres est mondialement connu, mais toutes les couleurs sont resplendissantes, mais aussi par le récit des médaillons qui, comme des bandes dessinées, racontent l'histoire des saints, l'histoire de la Bible, la légende dorée. C'est inépuisable. Ils ont besoin d'être préservés parce qu'il y a une fragilité. La résille de plomb les maintient assez souplement. Mais ce dont on ne peut pas les protéger, c'est la pollution, pollution intérieure, pollution extérieure. Et quand ils sont obscurcis, ils ne racontent plus leur histoire.